Le chef abriadi de Belouizdad, les joueurs ont décidé eh bien, d'être solidaires en donnant une partie de leur salaire. Confirmation avec le président du chef abriadi de Belouizdad, M. Sharafdine Amara. M. Sharafdine Amara, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous en direct, M. Sharafdine Amara. Les joueurs ont décidé, dans cette situation tout à fait particulière également, de donner une partie, de verser une partie de leur salaire pour montrer leur présence, leur aide, leur solidarité avec la situation actuelle que vit le pays, que vit le monde. Je vous dis tout de suite, oui, je confirme, mais je voudrais quand même préciser quelque chose. Bon, le monde et notre pays font aujourd'hui face à une pandémie sans précédent. Les autorités sportives et les autorités du pays ont pris des décisions, des mesures que nous soutenons. C'est la preuve aussi que la santé du joueur et la santé du citoyen est plus importante que le spectacle, et nous soutenons donc ces décisions. Les joueurs sont aussi conscients de ça. Et nous faisons partie de cette société, nous faisons partie de cette nation, et c'est pour cela que tout le monde avait... Oui, président, on vous écoute. Oui. Et tout le monde, donc, avait décidé de faire preuve, de faire ce geste envers nos compatriotes et envers tout le monde, tous ceux qui vivent sur notre territoire. Nous profitons aussi pour exhorter nos frères, sœurs, tous ceux qui vivent sur notre territoire, en fait, de respecter les règles de confinement, de rester chez soi, d'appliquer les gestes barrières qui ne sont que des gestes protecteurs de la maladie. Justement, pour revenir au sujet, je dis le CRB, son management, ses joueurs, ses entraîneurs, son staff technique, son staff administratif, médical, les équipes de soutien, tout le monde au sein du CRB, tout le monde a décidé de faire donc ce geste, conscient de la sensibilité de la période et qui nécessite justement la conjugaison de tous, la conjugaison des efforts de tous pour protéger notre nation. Et c'est pour cela qu'au CRB, de toutes ses composantes, le CRB fait donc don de 25% du salaire du mois au profit du Fonds national de solidarité contre le coronavirus. Eh bien, merci président de nous avoir réservé l'exclusivité. Voilà, c'est dit, le monde du sport, le monde du football, le chef abrigadif de Belouizdad, les joueurs, staff, dirigeants, managers ont décidé, vous l'avez entendu par la bouche du président, de donner 25% de leur salaire sur ce mois. Eh bien voilà donc, c'est... Oui, pardon. Maman, je profite aussi en ma qualité de président d'un holding public, d'une grande société publique aussi, pour manifester notre soutien aux efforts du gouvernement, pour dire que nous sommes là aussi pour apporter notre soutien, pour apporter tout ce que nous pouvons apporter. Les groupes publics, les groupes, les sociétés de ce pays-là peuvent apporter quelque chose en ces circonstances, en pareilles circonstances. Nous sommes en crise, le pays est en crise. Et c'est pour cela que je dis, les efforts de tous doivent être conjugués pour apporter de l'aide, ne serait-ce que, je dirais, de l'aide matérielle, de l'aide logistique, de l'aide de l'aide financière. Toute forme d'aide est la bienvenue. Et c'est pour cela que je lance un appel, je lance une manifestation de présence, que nous sommes là, et je la lance aussi en direction de mes collègues président de ce groupe aussi, pour faire pareil, et qu'il faudrait qu'on manifeste à notre peuple, à notre nation, que nous sommes là et que nous ne sommes
nous ne sommes une partie et nous ne pouvons pas être en marge de ce qui se passe en Afrique. Tout le monde est concerné et c'est pour cela qu'il faudrait que l'action contre le coronavirus doit être une action vigoureuse, doit être une action concertée et doit être une action avec beaucoup de conscience. Et c'est comme ça qu'on pourra, éradiquer ou, disons, mettre fin à ce virus et justement protéger nos familles et notre pays. Merci, président, monsieur Chalafdine. Enfin, je souhaite un bon rétablissement aux personnes atteintes et bon courage à tous. Vive l'Algérie. Merci, président Chalafdine Amara. Je rappelle, président du Chebab Riadi de Belouizdad.